Salut les gamers and les gamers! Allez, on se retrouve ce soir pour une petite vidéo de suivi Borderlands 2 avec mon ami Tony. Salut mon Tony! Salut à tous! Salut! Donc voilà, bah écoutez, là on se retrouve pour le deuxième épisode, puisqu'on avait fait le premier, on avait fait une approche du jeu en débloquant un petit peu les missions des DLC pour voir un petit peu les niveaux qu'il y avait sur les DLC. Donc là on va rentrer, Tony, dans le vif du sujet, hein, on va attaquer les missions un petit peu dans l'ordre, j'ai envie de dire, suivant les niveaux. Comme on vous a précisé dans la vidéo précédente, ouais, on va faire les missions dans l'ordre selon les niveaux. Là, c'est parti pour la mission. L'auto. Une histoire de bouclier, une mission niveau 3 qui nous donnera 170 XP. Donc, allez, c'est parti. Allez, ok. On va utiliser un ascenseur. On y va. Donc, là, on fait la vidéo sur ma vue. Hein, voilà, comme on vous l'a dit, hein, on alterne un petit peu. Comme ça, vous avez les deux vues. Comme ça, on peut voir un petit peu notre ami Tony se dandiner le cul devant moi. Je vais sortir le lunette, il est pas mal là quand t'es de loin. Voilà, ça dégage direct avec ça. Il faut les prendre en pleine tête. Hein. Du moins, faut essayer. Il a du mal celui-là, il a du mal. Pourtant, je le prends en pleine poire à chaque fois, mais. Tiens, 232, c'est bon. Tu l'as vu ? Ouais, tu l'as vu. Ouais. Je te l'ai attrapé plein fer celui-là derrière là-bas. Merde, il y avait un tonneau explosif. Oula, attention, ouais, bien joué. Oula. C'est solide, c'est cool. Ouais. Merde, les armes. Disons que si tu les prends pas en pleine tête, voilà, si tu fais des coups critiques, comme les RPG, les coups critiques, forcément, ça fait mal. On va utiliser un ascenseur qui se trouve là-bas d'ailleurs. Voilà, donc là on va avancer maintenant, on passe à la vitesse supérieure, on va avancer dans le jeu, notamment au niveau des missions, puisque sur la première on a vraiment survolé pour voir un petit peu les missions qu'il y avait à faire. Bon, voilà, en plus, plus vous avancez, plus ça devient intéressant par rapport aux armes et tout. Allez, j'actionne l'ascenseur. Hein. Vas-y. Je vais actionner, donc la mission est validée. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire après de faire? Ah, d'accord. Trop fusible. On va te l'arracher du cube, la frappe ton fusible, toi, tu vas en avoir un de fusible. Ah, j'ai fait le con là, je les ai emmerdés là. Wow. Je vais foutre un snipe en deuxième voilà, bingo. Arme parce que je galère aussi. Fais péter, t'es monté avec l'ascenseur là ou. Non, je suis à côté de toi. D'accord. Ah voilà, ouais, bien avec les lunettes, ouais, avec le snipe là ça va bien. Bien joué. Tu nous casses un peu les couilles et là je remets mon. C'est moi qui les ai cherchés en fait, parce qu'ils disaient rien. Voilà, ceux-là par contre je pense qu'il faut y aller parce que c'est là qu'on doit aller. Donc il faut les défoncer. Il y va. C'est pas d'où ça vient, bien joué. Ouais. On l'a eu celui-là. Allez, ok. Donc on va vous avez pu. Ce qui est bien, en plus sur les armes, vous avez plusieurs tactiques d'approche. Vous pouvez faire la page, vous pouvez les prendre à distance. C'est ouais. Les armes sont super. Bon, là pour l'instant, on a vraiment des armes de merde. Oh, belle. On a pris un chacun là. Aïe. Tiens, prends ça. Bien. Oula, ça arrive d'en face aussi là. Il est où lui? Il est là. Ils sont dans le bâtiment, non? Ouais, ils sont juste en face là. Bon, là. On va se mettre à couvert un peu parce que là, on va se faire couper. Je vais sortir la mitraille. J'ai envoyé une grenade, mais alors elle part, je sais pas où, c'est un peu d'artifice. Putain, c'est vrai que c'est des armes. C'est des armes de paintball là. Sans déconner, on leur fait pas trop mal avec ça. Encore. Bien, là c'est bon. Donc là je crois. Oh putain! Il est où cet enfoiré? Il est là. Ah, il est au-dessus là, il est sur le toit. Putain, mais j'ai fait rien avec ça, j'ai fait rien du tout. Ouais, je suis tout cassé. Allez, tu vas dégager, putain. Où il sort, ce connard? Voilà, il était sur le toit là, je l'ai eu. Ah oui, il y en a en haut là-haut encore. Ça, on peut. Oula. Donc là, si je me rappelle bien. Il faut appuyer sur l'interrupteur avec. Tirer sur l'interrupteur en fait. Attends, il y a un connard là.
Voilà, c'est ça. Oula, attention, il y a des garogos qui vont arriver. Ouais, je crois que j'espère que je vais y avoir une. Ouais, une. Fais attention, il y a les garogos à ta droite, à la carrière. Ah, je l'ai eu. Je l'ai eu, il a été bien mis. Ouais, bien, défi réussi, niveau de brutas, yes. Touche pas mon pote, toi. Sinon, je... Aïe, je vais te faire la peau. Voilà, nickel. Tiens, toi aussi, dégage. Et lui, il va prendre mal aussi. Bien joué. Si j'arriverai, ouais. Ouais, récupère des munitions si tu peux. Ouais. Je n'avais plus que tu fais. Qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, il est là le fusil. Un pétard. Un autre pétard. Ok, ok. On verra pour voir. Tu les prends pas les armes? Si, je les ai prises. Hein, j'ai pris. Ah, mais oui, il y en a. Ah, oui, il y en a encore une ici. Ouais, exact. Ouais, merci. Je vais... vendrai quand je serai plein en fait. Ouais. Ouais, c'est plus intéressant quand même. Allez, on a plus le fusible, on va avancer. Parce que bon, là pour l'instant, les missions, il n'y a rien de passionnant. C'est pas non plus des missions. En plus, c'est des missions secondaires, mais bon, elles servent au lieu de farmer, comme je vous expliquais tout à l'heure. Autant faire les missions, vous n'avez pas besoin de farmer quoi. Il y a des trucs que j'ai pas besoin, il y a un coffre là. Il faut vraiment... Oh putain, ouais, je suis tout plein là. Valider. Con de les avoir pris les trucs. Tu valides en haut là, ouais. Ouais, j'ai installé le fusil. Allez, nickel. On va pouvoir prendre tirer sur le levier. Voilà. Tirer sur le levier. Voilà, il est là. Allez, viens, monte avec moi. Ça y est, ça y est. Allez, c'est bon. C'est parti. On peut y aller. Ah voilà. Ah là qu'est-ce qu'on va voir acheter... Ah oui, il faut acheter un bouclier. Donc on a fait les cons d'acheter un bouclier au début, tu vois. Bah non, il est meilleur le bouclier du jeu. Allez, ben voilà. Non, pour moi non, parce que j'en avais déjà un très bon. Donc je pense que je vais prendre... Ouais, tant pis, je vais prendre celui-ci. Hein. Merde, plein. Ah, il faut que je vende alors. Donc je vais en vendre un. Ça va être... Je vais vendre ces merdes là parce que franchement ça je m'en fous un peu des pistolets. Ah, moi aussi je vais en vendre les pistolets. Les pistolets ça fait de l'argent surtout. C'est pas des armes qu'on se sert. Enfin nous du moins on s'en sert pas trop ces si, armes. Si après il y a des défis rappelle-toi. Ouais pour les défis ouais les notamment. Ouais. 139. Ouais je vais acheter celui-là, je vais le mettre à la place de l'autre. Voilà, là on a été récompensé, donc okay. Là je. Pff, ouais, c'est pareil, pistolet. Ouais, bah écoute, je vais prendre celui-là. Ah, il faut savoir que sur les armes aussi, on l'a pas mentionné, ça on l'a pas précisé, c'est que chaque arme. Y a des armes explosives, des armes de feu et des armes. Qu'est-ce qu'il y a comme autre arme, Tony? Je crois que c'est ça, armes explosives, armes de feu. Électrique, voilà, elles ont différentes des caractéristiques, voilà. Et suivant les monstres, eh ben, si on utilise telle ou telle arme, ben, c'est plus ou moins efficace en fait. Voilà. C'est ça. Donc c'est à nous on de. On va aller valider cette mission. Ouais. C'est à nous de trouver un peu les armes qui sont les plus performantes sur telle ou telle créature. Quoique qu'avant d'aller valider, non, je propose qu'on fasse les deux autres parce qu'elles se valident au même mec. En fait, ben, si tu veux, ouais, vas-y, je te suis. Je te suis. À Merlog. Allez, ok. Donc là, il faut aller. La fourrure, ouais. Difficulté grande. Hein. Ok. Donc il faut récupérer de la fourrure de Garogo. Ah oui. Donc c'est il me semble parti. Qu'il faut les tuer sans le flingue, c'est ça? Je sais plus. Ouais, il faut corps à corps, il me semble. Je crois que c'est du corps à corps. Il me semble. Ah, les décors sont magnifiques, hein. Franchement, moi je kiffe ce jeu rien que pour ça, pour le design. Franchement, ils ont fait un travail de ouf.
Attention, ouais, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Et moi je te dis, ça, j'y tombe dedans, putain de merde. Quelle couille, hein. Arrête de gueuler, ça va, c'est de l'eau gelée, mon père. Alors, ils sont où ces connards de... Des Galragoths, ils sont sous l'arche normalement là-bas, je crois. Donc là, il faudrait qu'on se mette à deux contre un à chaque fois pour les assassiner au plus vite. Il faut qu'on se mette à deux en même temps sur une seule bestiole. Ah, Enel. On va lui tirer dessus pour la... Pour l'affaiblir. Vas-y. Voilà, il faut le finir à la main en fait. Voilà, voilà, c'est bon. On y va. Ouais, oula. Il est faux, c'est loué là. Eh, il a peur, hein, regarde-le, il le sait quoi, qu'on va le plumer. Voilà, et d'une. Ouais, c'est bon. Ah, il est où là, c'est voilà, de deux. Oh, tout seul, ça va encore, ça se fait. Ah, ils sont faibles là, hein. Ça frappe pas. Hein. Ah, ben voilà, c'est déjà validé. Hein. Ah, c'est validé, bon, celui-là, je vais fumer alors. Ah, ça, il fait moins mal les balles que le corps à corps, j'hallucine. C'est vrai, c'est vrai. Il m'a fait mal, lui, par contre, j'ai plus de vie. Qu'est-ce qui me parle de fusil à pompe? Attends, je casse ces trucs là parce que des fois on a des. Voilà, ça, j'en ai pas besoin. Eh ouais, santé, t'en as pas trop besoin en fait. Donc, on va pouvoir. Aller la valider celle-là. On va aller valider les deux missions en fait là, qu'on a eu. On va aller voir un Merlock, comme ça on va valider les deux missions. On va nous faire un peu d'expérience, avec un peu de chance, on va pouvoir débloquer. On a... Je suis qu'à la moitié, du niveau, un peu plus de la moitié. Ouais, moi c'est pareil, un peu plus de la moitié. Si on peut plus, on peut quoi, valider la compétence secrète, le robot et la mitraillette, ça va être très sympa. Où je vais moi en fait? J'en étais loin en fait. Hein. Ah, mais t'es un connard. Hein. T'as le recul qu'elle a, cette putain d'arme là. C'est le truc de ouf. C'est un peu de la merde. Hein. Alors, au début, ouais, on souffre. Hein. On est en souffrance au début, ça c'est normal. Hein. On n'est pas équipé au top. Non, on était loin en fait de Merlock. Alors, il faut savoir qu'on fait tourner le jeu sur de la 960 GTX quand même. Hein, donc, c'est pour ça qu'il est aussi beau. Enfin, on le verra peut-être pas trop sur la vidéo, mais il est quand même vraiment magnifique avec les cartes qu'on a. Ouais. Apparence Pando, ça m'a fait débloquer. Ouais, et hop, ça c'est bon. Et un sniper. Ça c'est fait. Ok, et, allez. Et moi, qu'est-ce que tu me donnes? Une grosse merde. Pourquoi il me donne rien? Donc moi, attends. Ce con, là. Tu regardes dans ton inventaire, peut-être que tu les as déjà. C'est oui, c'est possible. Ouais. Ce que j'ai... Alors attends, ça c'est mission secondaire, ça c'est mission principale. Donc on continue à faire mission secondaire. Hein. Bon, ben voilà. Oh, celle-là elle est bonne en tout point en fait. Donc, je vais la remplacer par celle-ci. Voilà, donc après vous voyez dans les menus au niveau des armes. Donc là, celle-là je peux pas l'utiliser parce que le niveau requis c'est 5 et donc je suis que niveau 4. Donc celle-là c'est même pas la peine d'y penser. Mais je peux la garder de côté pour l'utiliser plus tard. Et là vous voyez les caractéristiques de vos armes. Donc à chaque fois, quand c'est vert, c'est que c'est meilleur que celle que vous, dont vous êtes équipé. Si c'est rouge, c'est moins fort que celle que vous êtes équipé. Donc voilà un peu le système, donc c'est à vous de choisir un peu les armes qui vous vont le mieux. Alors ça, oula, j'ai un pompe, voilà, ça c'est mon arme de prédilection, donc je vais le mettre à la place de ça. Voilà, j'équipe un pompe parce que moi, voilà, ça c'est... Ah oui, moi aussi à niveau 5, c'est de la bonne arme. Ouais, quand c'est en rouge, c'est que t'as pas le niveau. Voilà un petit peu pour la sélection des armes. Mais j'aime pas trop celui-là parce qu'il a deux coups rapides, mais le temps de recharger, ouais, quoi que, ouais, on peut l'essayer quand même.
faut juste un coup à prendre, je pense. Allez, mais c'est parti. Allez, c'est parti. Donc là, c'est mission après, quoi là Ouais, après, je pense que. Atteindre Blackburn. Ouais. Oh, voilà, bon. Ouais. Il me semble que c'est chaud là-bas en plus. Yeeha ! Boum ! Alors, il nous arrive rien quand on saute de 150 mètres. La gravité n'existe pas sur ce. Dans ce monde. On subit aucun dégât, on peut sauter de 300 mètres. C'est ça qui est sympa aussi dans le jeu. Bon, la difficulté est autre part aussi après, donc même si. Donc là, on va passer de l'autre. Ouais, là, il y a un transporteur, là, je crois. Ouais. Ouais, pour changer de monde. Ouais, ok. Là, on va passer. C'est toujours la neige en plus, hein, je crois. Ouais, sur un. Ah non. Si, ouais, un peu quand même. Ouais, c'est. Mise à jour. Attends, mise à jour. Ah, celui-là, il est fermé. Ouais, c'est un lieu. Non, c'est là. Non, le bouclier. Non, il est ouvert, mais bon, il n'y a pas bezaf. Je peux vendre un bouclier. Oh, on a 150. Hein. Je peux vendre des trucs par contre. Ah, niveau 5, non, ça sert à rien. Alors, attends, je vais m'occuper du nouveau bouclier. Je vais vendre des trucs. Je vais vendre là. Débloquer cette apparence pour le système modifié. Ah oui, on a aussi des apparences de personnalisation, c'est des choses qu'on ramasse au cours de l'aventure et ça vous permet de modifier un petit peu l'apparence du personnage, quoi. C'est un petit plus, c'est un truc au niveau du visage, au niveau des fringues, enfin voilà, ça vous permet un petit peu de personnaliser votre personnage. Voilà. Enfin, ça, je me sers pas trop, moi, de ça. C'est un peu fioriture, ça. Mais bon, ça peut être sympa. Si on en a marre de voir la gueule de son perso, on peut changer. Bon, mais je pense qu'on va atteindre l'endroit qui nous demande en tuant ces bestioles. Ouais, on y est. On y est. On restera là. Je crois que le choix de l'arme, pas judicieux, là. Pas judicieux du tout. Ouais, il prend pêche quand même. Si, il prend pêche. Ah, voilà. À courte portée, ça fait mal. Ça fait très mal. Ouf. Oh, calme-toi. Calme-toi, on va te calmer. Voilà. C'est bon. Hop là, attention, il y en a un autre. Moi, je vais aller le chercher, celui-là. Viens ici. La barre, elle est bien morte. Viens ici. Ouais. Ouf. Alors, voilà, donc là ce que vous venez de voir, voilà, c'est le second souffle. Alors qu'est-ce que c'est? C'est que quand vous êtes à terre, vous restez à terre en fait et vous avez encore le. Vous pouvez encore tirer sur les ennemis. Et si vous tuez l'ennemi, en fait, ça vous donne le second souffle, c'est-à-dire que vous pouvez vous relever. Donc ça vous donne une chance de survivre, en fait. Voilà. Alors où vous tuez l'ennemi, vous relevez. Ou alors c'est votre coéquipier qui doit venir vous relever, en fait. Voilà, c'est là aussi que se joue la coop. Ah, il y a des garogos adultes. Là. Ah, ils font mal, ça, ils font super mal. Des garogos brutal. Hein. Ouais, oula, fou. Vous voyez, donc là, voilà, si j'arrive à, voilà, les tuer en étant au sol, c'est bon pour moi. Ouais, il y a le brutal. On va passer, ouais, c'est bon. Je suis par terre. Là, je crois que ça va être chaud pour ma gueule. Yes. Niveau de survie, c'est toi qui m'as levé, poulet. Ah non, t'étais là-bas. Ouais. Niveau supérieur, moi. Bon. Je vais débloquer la tourelle. Ouais, j'ai le. D'ailleurs, j'y suis aussi. Mais par contre, il y a un brutal derrière. Attention. Ah putain, il me casse les couilles, lui. Oh. Il saute loin, cet enfoiré. Il est là. Attends, il est là. Ah, et puis ce pompe, il est pas non plus. Il fait pas non plus super mal. Allez, crève. Voilà, bien joué. Alors, on ramasse un bloc de pognon, il y en a encore un. Tiens. Lui, il va pas faire le feu. Tiens. Voilà. Allez, c'est putain de chauve-souris aussi.
chauve-souris géante. Mais ça c'est cool. Ah, elles sont casse-couilles. Je viens de poser ma tourelle, mais... Faut les prendre au snipe, celle-là. Voilà. Merde. Ah, c'est bon. Bien joué. Ah, t'as été meilleur que moi sur ce coup-là, sur le snipe, là. Elle en reste une. Hop, deux. Oh, bien joué, bien joué. Ouais. Tu l'as eu, l'autre? Non, ouais. elle est là. Ah, là, j'avais eu. Yes, j'en ai eu une. Ah putain, elle m'a grillé. Et deux. Ouais, je l'ai eu au dernier moment. Bien joué. Bon, ça a été du fight là quand même. On a quand même pris un niveau. Est-ce qu'au 5 on peut avoir le robot et toi la tourelle ou pas là? Ben, je suis au niveau 5, donc attends. Est-ce que ça se débloque là sur les compétences? C'est sur les compétences. C'est bon, sur les compétences. Voilà, premier point de compétence. Voilà, j'ai mis le premier coin. J'ai jeté ma tourelle là, les derrière Nono. Voilà. Voilà. Donc cette tourelle va m'aider à nous, elle va nous aider à nous défendre. Donc je la récupère pour. Voilà donc, voilà toi tu récupères ta tourelle. Alors. Je te propose de montrer le robot. Le robot juste, ouais juste le robot. Donc là maintenant au niveau, donc on a vu le, là si j'appuie, si j'invoque, voilà piège mort, voilà c'est mon robot, voilà, vous voyez, voilà ça c'est mon robot. Piège mort. C'est piège mort qui nous sert bien, aussi, qui nous sert bien et qui va attaquer les ennemis. Et toi, Tony, voilà, fais voir ta tourelle. Ouais, moi je vais faire voir. Et Tony, voilà. Et Tony, il a la tourelle. Voilà, donc là, c'est nos deux, alliés. Voilà, nos deux alliés. C'est les deux puissances qu'on a tous les deux. Voilà, et qu'on doit faire évoluer parce que piège mort va évoluer et la tourelle aussi. Donc, plus ça va aller et plus on va être puissant. Alors, j'ai un bug en plus là-bas, donc on va. Je vais te faire écouter mon bug, tu vas comprendre ce que c'est. Ouais. Est-ce que tu entends? J'ai la manette qui reste bloquée en vibration. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, bah écoute, on peut arrêter là. On va rester là pour cette vidéo. Voilà. Ok, bah écoutez, salut tout le monde. Merci de suivre ces épisodes. Tony, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Et amusez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.